je vous avais montré, hein, comme d'habitude, tous les chiffres ronds, dans lequel, enfin en tout cas tous les chiffres ronds 400 et 50 quand ça finit par 50, dans lequel je vous avais tout simplement montré tout ce que j'avais récupéré dans le jeu. Donc c'était vraiment l'épisode Progress Tour, une connerie comme ça, je sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais dans lequel j'avais montré tout ce que j'avais obtenu dans le jeu. Donc, écoutez les amis, je pense que vous l'avez vu dans le titre et tout ça. Aujourd'hui, on va pouvoir s'attaquer au mode aventure, les amis, en tout cas dans notre nouvelle session du mode aventure. Il nous reste 29% de la carte à explorer, donc on est à 71%. Aujourd'hui, on va quand même pas l'avancer, hein, je vous le dis clairement, parce qu'aujourd'hui, pour se remettre la carte aventure dans les mains, avant de s'attaquer à l'objectif, tout simplement, donc allez voir l'épisode prochain si vous voulez connaître l'objectif qu'on se fixera, nous allons tout simplement refaire des cases que nous avons déjà fait, comme tous les épisodes 400, enfin tous les épisodes qui commencent, hein, tout simplement, qui permettent de débuter la carte aventure, pour pouvoir du coup se remettre un petit peu la carte aventure dans les mains. Eh oui, il faut quand même se remettre la carte aventure dans les mains. Et donc du coup, ben les amis, nous allons tout simplement nous attaquer, vu qu'on a on va devoir récupérer des cartes d'objets. Donc écoutez, on va tenter d'en récupérer le maximum, voilà, le maximum. Et on peut voir que du coup, il nous manque des lyres et tout ça, mais je vois qu'il n'y a pas de lyres, malheureusement. Donc écoutez, on va tenter d'avancer en récupérant par exemple peut-être des hydrobombes ou une connerie comme ça, je sais pas, on va un petit peu se débrouiller. Et donc du coup, ben, les amis, c'est parti, alors même peut-être des bracelets, je sais pas, peut-être des bougies, je n'en sais rien. Donc écoutez, c'est parti, dès qu'on aura commencé la première case, on débutera, sachant qu'il y a 30 minutes de farming. Donc voilà, au moins vous êtes au courant. Et on va du coup directement éliminer tous les monstres géants. Alors évidemment, comme d'habitude, on prend le personnage le plus cheaté que nous avons, ça veut dire Link, pour le faire le plus rapidement possible, parce que le but est de farmer le plus possible. Alors par contre, on s'en bat les couilles, honnêtement, on prend que des conneries parce qu'on s'en fout. Là, il n'y a que Link qui m'intéresse. Donc Link, niveau 101, c'est assez fou. Et donc du coup, bah écoutez les amis, aujourd'hui on va pouvoir s'attaquer enfin cet épisode farming, dans lequel, écoutez, ça va faire du bien, on va pouvoir se remettre la carte aventure dans les mains. Et surtout, bah, notre session dans les mains, les amis, c'est parti pour au moins 39 épisodes à mes côtés, hein, jusqu'à l'épisode 339 inclus. Et avant de s'attaquer à l'épisode farm, tout simplement. Et donc du coup, bah, c'est parti. Et alors à mon avis, du coup, ça va annoncer le roi de Dangouge, la cinématique, voilà. Je m'y attendais. Le roi de Dango, Pyro Septoros malfaisant. Allez, s'il te plaît. T'as pas chance, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci. J'aime bien quand... Oh, bah, t'es sérieux, là? Voilà. Ouais, ils font chier, quand même, d'être au milieu. Voilà. Ok. Hop. Ok. Bon, normalement, toi, t'es mort, non? Oui, toi, t'es mort. Le roi de Dango, il est éliminé. Alors, du coup... Matériau rare et le matériau commun. Pas d'âme. Là-bas, nous avons un convoyeur, mais ça servira pas. Mais bon, pour son matériau, l'autre... Je dis pas non. Ah, Guiraim va nous trahir, c'est ça? Je crois que c'est ça, l'histoire, non? Je m'y attends. Ouais, il me trahit, c'est ce que je pensais. Allez, go! Ouais, en même temps, on récupère des matériaux, hein, c'est épisode farm, donc on profite. Allez, le convoyeur. Merci. Alors, Guiraim, t'es ouf. Attention, il est où? Il est là. Merci. Bah, à mon avis, Guiraim va pas rester très longtemps. Regardez le nombre de vies qu'on lui en laisse, c'est abusé. Bon, bah, Guiraim est mort. C'était assez expéditif. Oh bah parfait. S'il te plaît. Oh t'as de la chance. Vas-y s'il te plaît. J'ai pas envie d'utiliser le coup fat. Oh vas-y. Oh tu vas me forcer à l'utiliser. Tu me fais chier. Oh le matériau ultra rare, ne vous inquiétez pas, on va aller le récupérer. On va juste finir. Tac. Merci. En fait de ce côté je vois pas trop les attaques que je fais là. Merci. Parfait. Bon, bah, toi, t'es mort. Le roi de Dango est éliminé. Voilà. Putain, on a pratiquement notre deuxième barre de cœur remplie. Merci. Donc, l'arme. De l'âme qu'il nous a donné.
le matériel ultra rare et l'arme. Bon bah ça c'est fait. Bon. Victoire. Bien. Ça c'est fait. Avec la tenue Skyward Sword, ça va rien dire. En plus, en ce moment, on est en train de faire le let's play, donc c'est juste assez fou la coïncidence. J'ai pas fait exprès pourtant, je vous jure, j'ai pas fait exprès. Mais bon, pourquoi pas. Alors, Et non, alors, qu'est-ce qu'on a ? Bah, les couilles, on a la carte d'objet, une cape du Guiraïm, une griffe du roi de Dango et deux colliers d'âme. Voilà. Alors, merci. Pas de. Pas d'arc ni rien. Oh, vous faites chier. Pas vous, hein, mais je parle au jeu, mais. Écoutez, hein, cuit sur les possessions. Élimine l'armée de Dark Knight, élimine tous les ennemis. Vous êtes chiant. Hein. Non, oh. Bah, vous savez quoi? On va faire le fameux quiz sur les possessions. Éliminer tous les ennemis. Non, pas vigilance extrême. Vous savez quoi? On va faire celle-là. Cuit sur les possessions, ce sera beaucoup plus rapide. Sur les positions, donc ça veut dire que ça sera sur les positions d'objets, j'imagine, alors. Genre vraiment possession, genre par exemple éliminer l'ennemi qui détient une lanterne, donc on va devoir éliminer l'âme par exemple, ou l'ennemi qui détient un javelot, on va devoir éliminer un mobline. Enfin, un mobline. À mon avis, ce sera un truc comme ça, je m'en souviens plus, mais ça fait. Attends, ça fait tellement longtemps. Le quiz comprend trois problèmes, éliminer le bon ennemi, avancer sur le fort de destination. Est-ce que c'est ça? On va voir, hein. Qui porte un bouclier en bois, c'est ça. C'est ça. Voilà, on a éliminé le bon ennemi. Merci. Bah, c'est parti. Bah, ça va aller vite, hein. Ça va aller vite. Dans le volcan d'Ordin en plus. Dans le volcan d'Ordin. Deuxième problème. Il tient une lanterne. Oh bah je l'avais anticipé, tiens. Merci. Voilà. Merci. Avancez dans le fort suivant. Boum 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 boum. Alors là, est-ce que ça va être un ennemi en particulier, genre vraiment, enfin un personnage à éliminer? Genre éliminer celle qui porte un panier par exemple. Éliminer Macaon. Par exemple. Qui porte un casque, non. Un casque, c'est le mobline blindé. Et voilà. Bah c'était assez expéditif. Hein. Merci. Annonce des résultats. Bah oui, j'ai 3 sur 3 normalement. Link, on a gagné. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Yeah, we did it. C'est gagné. Mon Dieu. Nous avons terrassé une lanterne des âmes. C'est gagné. Je pète un câble. Arrêtez-moi, s'il vous plaît. C'est là où vraiment vous voyez qu'après 400 épisodes, ça va plus. C'est que... Oh là là, peut-être faire une pote pour se l'esprit, finalement. Aïe, 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 bon. Non, non, on va continuer quand même. Aïe, là, 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 je vous jure. Faites pas attention à ce que je dis. Alors, du coup, évidemment, ok, porte des âmes, ça, on s'en fout. Une diane de mobline, d'accord. Bougie. Ouais, bon, nous avons rien de nouveau, quoi. Si, une lyre, putain, il met 700 ennemis dans le temps est parti, parfait. Alors là, on va pas s'en priver. Il met 700 ennemis, c'est du gâteau, ça. Ça veut dire que en plus il va y avoir normalement des boss géants et des personnages à éliminer. Et ça pour le farming, vous voyez, ça me j'en bave là. Honnêtement, j'en bave. Sablier fantôme, putain, on n'y est pas encore. Alors. Oh, on est sur le palais du crépuscule. Ah non, je pensais palais du crépuscule. Alors du coup. Merci, bah ça va aller normalement un petit peu rapidement. Sachant qu'il y a des boss géants, c'est. Donc bon. Sans ennemis, voilà le boss qui apparaît, le petit roi de Dango
Le pyro, roi de Dogo, Pyroceptaros malfaisant. Bon, c'est bien gentil, mais on doit quand même aller jeter un petit coup d'œil aux ennemis en haut. Parce que vous voyez, il y a Lana à côté, que j'aimerais bien éliminer, s'il te plaît. Allez, fais pas chier. Oh, je casse tes couilles, s'il te plaît. Mais c'est quoi cet RNG bidon? Oh là là. Ah là 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 là, quel manque de chance. Mais c'est une blague là. Non mais oh. Oh. Oh mon gars. Merci. Talana est bientôt morte. Enfin. Non mais dis donc. Ok. Tac tac. Merci. Putain, on va devoir le voir en deux fois ce roi de Nogo. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas, non finalement. Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Voilà, on l'a eu. Une première fois. Allez, Lana, s'il te plaît. Oh putain, il m'a donné une arme. Arrêtez de me donner des armes, quoi. Si je prends vous de temps pour vous éliminer, c'est pas pour vous donner des armes, quoi. Lana. Ouh, par contre, ça. Une nourriture ultra rare, je veux bien. Je veux bien. 200 ennemis, Shake représente une menace. On va l'éliminer. L'éliminer. Bon, ça va. C'est un matériau ultra. C'est un aliment ultra rare, donc je crache pas dessus. Alors. Hop. Merci. Attends, on est en train de l'achever. En train de la défoncer. Et voilà. Shake est morte. Matériau rare, parfait. Alors. Hein. À la fin de l'épisode, on appliquera les badges, hein, je vous le dis. Alors, on est bientôt à 300 ennemis, pratiquement à la moitié. La baba mojo. Alors. J'aimerais bien avoir la baba mojo en fait. Parce qu'elle me donne pas mal d'XP, vous voyez. Bah, enfin, pas mal. Faut au mieux revitaliser un petit peu. Allez, Raphos. Au bout d'un moment, il commence à avoir plus beaucoup d'ennemis sur la map. Voilà, 300 ennemis. Ok. Ok, un roi de Dogo est apparu. Ok, derrière moi. Parfait, alors, mon gars. Putain, j'étais con. Oh, j'étais con. Je me suis trompé de côté. Non, non, non. Ah là là, j'étais con. Je suis dégoûté. Je suis vraiment écœuré. Oh putain, s'il vous plaît. Allez. Merci. Ah, j'étais stupide. J'aurais dû aller à gauche. Enfin, cliquer sur la gauche. Mais le problème, c'est que j'ai un problème de manette de base. Donc, à chaque fois, j'ai peur que ça me téléporte. Enfin, que je passe à un autre adversaire. Tac, tac. Merci. Par contre, là, je sais que je l'aurai pas, donc vaut mieux tenter comme ça. Merci. Ça c'est fait. Le roi de Dongo est éliminé. Ah, matériau rare enfin. Merci. Oula. Alors du coup, l'Aerafos, s'il te plaît. Ok, bientôt 400 ennemis. Bah on a 400 ennemis. Est-ce que il va apparaître un petit personnage? Fear. Parfait. Allez, on va tenter de l'éliminer. Fear représente une menace. Alors, Convoyeur. Merci. Boum. Alors, Fear, viens ici. Hop, désolé. Mais tu vas crever comme les autres. Oula, hop. Hop. Go. Non, tu restes avec moi. Hop. Et voilà, Fear est éliminé. Matériau rare. Lumière reçue des renforts. Pas de boss géant en vue.
Peut-être il va y avoir un nouveau à 600 ennemis à mon avis. Peut-être la totale boss géant plus... comment s'appelle? Plus... personnage en même temps. Je sais pas, j'anticipe. Bientôt on est niveau 102 d'ailleurs. On est bientôt niveau 102. Boum. Voilà, 626. 668. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Ok, il y a Link et le roi de Dongo. On va tenter d'éliminer Link en premier. Allez, viens, s'il te plaît, Link. Voilà, si je peux réunir les deux, comme ça au moins, j'ai pas les connards d'ennemis à côté de moi. Voilà. S'il te plaît. Oula. Allez, s'il te plaît, le roi de Dongo. S'il te plaît, ne fais, sois pas chiant. Merci. Voilà, vous voyez, comme ça on élimine Link en même temps. 102. Ouais, niveau 102. Allez, go. Voilà, normalement on va pouvoir l'éliminer, tranquille. Hop. Parfait. Bon, bah là, à mon avis, il est mort. Et slash. Eh ben voilà. Nous l'avons fait. Bon, bah maintenant, il ne manque plus qu'à éliminer les autres ennemis. Hein. Donc, c'est parti. Là, normalement, il y a de la totale, non? Voilà, parfait. Nous l'avons eu. Bon, ben, on a éliminé les 700 ennemis. Ok, par contre, ça sonne chez moi. Enfin, le truc à la con, là. Putain, je me fais harceler au téléphone. Sérieux, j'ai une tentative de connexion de US, appuyé sur le lien pour répondre, de Amazon. Ouh, je sens que... Attendez, je vais aller mon Gmail. Putain, d'ailleurs, je vais me faire pirater en direct, je vais rien comprendre. Je vais aller voir. Je vais aller voir mon Amazon. J'irai après modifier mon mot de passe, hein, on sait jamais. Et ouais. Et peut-être même mon adresse Gmail, je verrai. Bon, c'est pas grave. Enfin, un talent de fille, un kunai de shake. Une botte de Link, une griffe du roi de Dongo et trois cuirs d'Aerafos et un haricot magique Eski. Ok. Allez, on va pouvoir s'attaquer à la suite. Bon, bah écoutez, de toute façon, pour mettre tout à 5, pourquoi pas s'attaquer à la... pas vigilance extrême, hein, non, s'il vous plaît. Putain, il n'y a que des vigilances extrêmes, avec des bracelets à la con, là. Bon, après, peut-être, j'en ai peut-être plus besoin des bracelets, avec ce qui reste. Je pense plus que j'en ai besoin. Peut-être des bombes, si, à la limite, mais éliminer tous les monstres, j'ai un... T'as pas un autre truc avec des ennemis? Genre éliminer tel et tel nombre d'ennemis. Éliminer tous les monstres géants. Éliminer 400 ennemis, je crois que c'est bon, honnêtement. Il n'y a pas plus, s'il y a plus, je prends. Éliminer tous les ennemis, et là. Éliminer tous les boss géants. Bon, ben, on va aller directement ici. Éliminer les 400 ennemis. Ah là 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 là, il faut que je modifie mon compte. Enfin, mon mot de passe, c'est magnifique. J'adore ma vie. Pourtant, j'ai donné mon mot de passe qu'à ma famille, quoi. Enfin, à ma mère, quoi. C'est pas ma mère à cette heure-ci, il dort de base à 3h du matin. En plus, elle a même pas son téléphone, donc... qu'est-ce que je dis, moi? J'ai dit de la merde. Enfin, elle a pas son téléphone en haut, en tout cas. Aïe, 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 bon, c'est pas grave. Alors, du coup... pas s'inquiéter, de toute façon, je réglerai ça après avoir enregistré. Alors, même à l'heure actuelle, vous regardez cette vidéo, ça sera déjà réglé. Bon, je m'attends au boss géant, hein. Boum. 100. Ah, c'est Goma ici. Le Goma, cyclope démoniaque cuirassé. Ok. Téléportation. Il vaut bien se débrouiller. Normalement, il n'y aura pas de soucis. Tiens, matériel, hein.
Putain, c'est un matériau à la con là-bas. Allez, viens, Goma. Goma. Merci. Boum. Et voilà. Alors, du coup. Ok, bon, bah là, on va. Ok, d'accord. Bah là, elle va mourir. Hein. Ça serait énorme si, si elle atteint même pas. Putain, en fait, à un coup, elle était morte au niveau de sa vie. Putain, sans avoir son point faible. C'est génial. 175. Là, je m'attends, du coup, logiquement, je dis bien logiquement, à un personnage. 191. 204. Alors, 205, normalement, c'est une centaine, voilà. Ah, mais il n'y a pas de. Oh putain, ça me fait chier. Évidemment, on a éliminé le Moblin. Merci. 350. Les Alphos. Ok. Là. Un boss géant. Oh, bah en fait, il n'y a que Goma, en fait, malheureusement aussi. Il n'y a que Goma. C'est triste, hein. Il n'y a pas de personnage de base, donc bon. Hein. C'est parti. Ok. Allez, go. Go. Merci. Bon, bah, on va pouvoir. Je pense que là, elle est morte, non, avec ça. Bon, après, là, elle est morte. Là, normalement, c'est bon. Bon, bah, Goma, c'est fait. Alors. Bon. Le matériau. Malheureusement, il n'y a pas de personnage. Ouais, c'est un petit peu triste cette histoire. Il n'y a pas de personnage. Donc ça va aller assez vite normalement. Boum. Voilà. Bon, ben mission accomplie. Oh, c'était assez facile. C'était assez expéditif. Donc nous avons normalement tous les bombes. Donc déjà pour le moment. Donc il nous faudrait normalement. Ben ça serait bien une bougie. Je crois que la bougie nous l'avons pas. Délire, même pourquoi pas des arcs de glace. Ça honnêtement, je cracherai pas dessus. Je cracherai pas dessus, donc ça serait bien. Alors. Pouf. Alors. Évidemment, ça c'était simplement logique. Alors, évidemment, toujours les mêmes choses. Ouais, les armes, c'est même plus à peine de les lire. Deux écailles de les alphas, ça me gave tellement que c'est abusé, quoi. Vous avez trouvé une bombe, ok. Bon, ben maintenant, nous avons plus de lire du tout. On a un grappin, si on veut, ça serait bien. Putain, on n'a pas de... Putain, ça fait chier. Non, la bougie, nous l'avons déjà. Putain, je m'en fous des vigilances extrêmes. Putain, ça fait chier. Niveau 7... Niveau 5, on va faire niveau 5, ce sera beaucoup moins long, moins chiant. C'est bien, ça me permet de refaire la carte aventure un petit peu de temps en temps, mais on s'attaque, vraiment s'attaquera du nouveau, ne vous inquiétez pas la fois prochaine. Il n'y a pas de souci. Demain, on s'attaque à du nouveau. À de l'inédit. Bon. Ok. Alors, coucou toi. Ok. Alors il faut éliminer 20 captains et esquiver leur attaque. Bon bah ça devrait être facile normalement. Boum. Oula, attention. Ça serait con de se faire prendre par cette boule de fou, enfin de ténèbres. Ok. Là m'a reçu de renfort. Y'a rien là-bas. Le conveyeur de fragments de force a été aperçu. Ok. Hé hé, tu t'as cru m'avoir toi. Petit sacripant. Non mais dis donc. On se calme. On se calme, on se calme. C'est moi qui te le dis, 400 ennemis, c'est abusé. En fait, bah oui. C'est vrai que c'est meilleur comme ça. Oh non, pas des tireurs s'il vous plaît. Tout sauf des tireurs. Bon. Ok. Il en reste plus que 10. Il en reste plus que 10, c'est bien gentil, mais... non, pas des tireurs, s'il vous plaît. Dégage. Tiens, dégagez, je vous dis. Merci.
Voilà, boum. On en a éliminé 3 en même temps. Hein. Maintenant, c'est parti. On va éliminer le reste. Ok. Oh, il m'a donné une arme à la con, t'es sérieux là? Bon ben, il me reste plus beaucoup maintenant. Il ne reste plus que 5. Ok. Il n'en reste plus que 4. Ok. Ok, ok. Il ne reste plus que 4. Là-bas, normalement, il y a les 4 derniers. Putain, il y a du monde là. Dégagé. Merci. Et normalement, les 4 derniers sont là. Voilà. Et logiquement, le dernier, il est là. Merci. Oh, merci pour le matériau. Mais bon. Le collier d'âme que nous avons en tellement d'exemplaires. Bon, ben ça c'est fait. Écoutez, cela, ça sera fait. Victoire. Victoire, victoire. Ah, l'arme. Bon, s'en fout l'arme. De toute façon, ça c'est un traumatisme maintenant, ces armes. Je vous jure. Bah même ça me rapporte des rubis, mais ça j'en peux plus. Honnêtement, là, je... Vous voyez, c'est fatigant, quoi. Ça devient fatigant. Alors, évidemment. Alors, toujours la même chose. Un collier d'âme. Le bracelet de force. Et donc, du coup, bah, maintenant, hein, bon, bah, on va s'attaquer aux hydrobombes. Hein. On n'a pas de... Putain, ça... ouais. Ouais, on va s'attaquer aux hydrobombes. En tout cas, hein, 800 ennemis, c'est parfait. Alors, pour finir la vidéo, ça, vous voyez, il n'y a pas même un truc à 1000, par exemple. Non, il n'y a pas un truc à 1000. Donc, on va carrément faire celle-là, la toute dernière, 800 ennemis. On aura des boss géants et normalement des personnes classiques. Ouais, normalement, des personnes classiques. Normalement. Ici, je crois que c'est Mandala, non, l'ennemi principal, ici. J'ai anticipé, je vais prendre le boomerang. The boomerang. Bon. Merci. Anticiper carrément. L'impa noir représente une menace. Il y a du racisme quand même dans le jeu. Je pense que vous en avez marre que je la fasse tout le temps ce truc. Je pense que vous pouvez en avoir marre. Honnêtement, je pense que vous pouvez en avoir marre. Je vous comprendrai, ne vous inquiétez pas. Allez. Ok. 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 Merci. C'est bon là, tu vas mourir. Merci. Allez. Oh, l'arme à la con. Sans ennemi, Mandala normalement. Ouais, c'est Mandala, j'en étais sûr. Ça, je m'en souvenais. Lui, honnêtement, je crois que je m'en souviens. Ça me dit vraiment un truc. Mandala, plante tentaculaire vénéneuse, pardon. Ok. Ok, c'est parti pour Mandala. Allez, viens. Oh bah. Bah oui, là, t'as été stupide, hein. Ok. Ok. Allez, go. Merci. Voilà, bon là normalement t'es morte. One shot. Ouais, one shot, parfait. Matériau ultra rare, tant mieux. Ça je kiffe, vous voyez. Ça je dis pas non de ça. Voilà. 150. Il y a 800 ennemis. Bon, on a le temps, hein, on a largement le temps. Normalement il va y avoir une nouvelle vague à 200 ennemis. Allez, viens toi. Aïe. Voilà, boum. Merci. L'ennemi a reçu des renforts avec un shake noir, c'est ça? Ouais, shake noir. Allez, ok, elle est pas très loin. Putain, cette sentinelle à la con, j'en peux plus. Bon, shake noir, c'est parti. En espérant que du coup, elle va vraiment me donner un matériau. Ça serait vraiment pas trop mal. Boum, boum. Putain, on la défonce tellement. Ok.
Allez, s'il te plaît. Aïe, c'est pas gentil ça. Go. Voilà, toi t'es morte. Putain, j'en peux plus des armes, putain. Arrêtez de me donner des armes. Oh, j'ai pété les plombs. Ouais, des fois, il y a de quoi de vraiment péter les plombs. Oh là là, se faire troller par le jeu comme ça, c'est assez abusé, quoi. Prends un ennemi. Et voilà, mandala pop. Ah. Mandala pop. Viens, mandala, viens. Viens, ma petite. Voilà, viens. Qu'est-ce que tu fous, là? Allô? Ah, j'allais dire, quand même. T'es bourré ou quoi? Allez, oh, oh, je... Et j'appuie? Putain, je crois que ma manette commence à vraiment tomber en panne. Hein. C'est grave, hein. Putain, j'appuie pourtant. Ok. 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 Non, j'ai pas le temps. Faites chier. Vas-y. Putain. Oh, j'ai de boomer. Arrête de faire ça, s'il te plaît. Allez. Je crois vraiment intéressant, non mais bon. Je crois vraiment intéressante. Allez, bouge ton cul. Merci. Aucun moment de répit, je te l'ai dit, mon gars. Je te l'ai dit, ma pauvre. Non, bah, pas c'est une fille, normalement. Donc, ma pauvre, tu vas mourir. Ah, bataille rare, merci. Allez, go, maintenant, on va tenter d'éliminer le reste. B-slash. 390, 400. Ah, c'est un Link noir. Ou non, Volga noir, je crois. Non, non, Zelda noir, ok. C'est Zelda noir. Putain, on dirait vraiment un petit Volga noir, honnêtement, sur l'icône. Alors, soit vraiment j'ai des problèmes de vue ou. Ou c'est vraiment parce que. Oh, mais oh! Mais arrête! Eh oh! Oh, calme-toi! Oh, j'ai juré, calme-toi! Oh, vas-y. Ok, t'as été conne jusqu'au bout. Je suis désolé, mais tu meurs. Tu meurs pas? Je vais mourir, oui! Non, mais dis donc. Pas d'armes. Alléluia! Alléluia! Ah ouais, j'en pouvais plus là. J'en pouvais plus des armes. C'est une overdose que. C'est vraiment une overdose. 500! Ok. Bientôt niveau 103. Putain, on aura passé deux niveaux aujourd'hui. Ça sera juste assez dingue. Merci. Tac, tac. Boum! 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 Voilà. Sans ennemis. Alors. Niveau. Putain, bientôt niveau 103. Ah, si, y'a. Ça présente une menace. Ok, tout le monde est là-bas. Ok, ok. On va tenter d'éliminer Sia. Hein. Et après, on éliminera Mandala. Allez, niveau 103, ça serait bien pour maintenant. Et voilà, niveau 103, enfin. On est encore beaucoup plus pété que d'habitude. C'est abusé. T'as aucun moment de répit, la pauvre. Non, vas-y, s'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît. Boum, le matériau rare. Ok. Le matériau rare, je dis pas non, hein. Ok, parfait. Oh, le matériau. L'aliment rare, pardon. Hop. Bon, toi, tu crèves. Boum. Normalement, toi, tu meurs. Voilà, ça, c'est fait. Merci pour le matériau rare. Allez, il ne manque plus que 200 ennemis. Enfin, 113. Maintenant, tu dégages. Putain, il y a vraiment que dalle comme ennemi par contre. On est bientôt à 700. Et on est à 700. Et après, bon, c'est que des ennemis classiques. Ok, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Et là, boum. Allez. Slash, voilà. Ok. Et normalement, là, ménage général. Boum. Et voilà. Bon, bah c'est fait. C'est fait, c'est fait. Bon, bah écoutez, on aura bien géré. Je pense qu'honnêtement, on peut s'arrêter. Alors, s'il y a une lyre, on va continuer. Mais s'il n'y a pas de lyre ou d'arc de glace, on s'arrête. S'il y a une lyre, on continue. S'il y a un arc de glace, on continue. Sinon, on s'arrête. Bon. Ah bah en tout cas, on aura bossé. Là, on aura fait pas mal de choses aujourd'hui. Je pense que là, honnêtement, ça peut être suffisant. Ah, voilà, bon, on est en 36 minutes. 36 minutes, voilà, bon, c'est pas fou, hein. Alors, ok, c'est parfait, les armes à la con. Alors, une pousse de mandala, un crâne de maître Stalfos, un bijou de trace de Zelda, deux sports toxiques de mandala et trois cartes de maître Stalfos pour un bon champignon suspect. Ok, pas d'arc d'homme de... Enfin, pas d'arc de glace, ni de lyre. Ah si, on en a une là. Il y en a une là. Et ça nous en fera 5, on en a besoin, donc on la fait maintenant. On a le temps. Bon, c'est, ça va, c'est une bataille lente, ça dure 1 minute, 32 minutes. Donc on a juste à spammer, à chercher. Alors je crois que, ici, je crois que c'est dans le palais de l'esprit. Je sais même plus, j'ai pas vu en bas à droite. Je crois que c'est dans le palais de l'esprit, non? Je sais plus. Il faut éliminer 30 gibes d'eau, ou 20, je sais plus. Oh putain, je sais plus. Ouais, palais de l'esprit, 30 gibes d'eau, je crois. 30, ouais, oh là là. Ok. Donc ça va durer un peu plus de 2 minutes. Ok. Oula, qu'est-ce que tu fais, toi? Allez. Coucou toi. Oh, des gibes de hardin. Des gibes de hardin. Merci. Tu restes calme mon gars, je te l'ai dit. Sans ennemis. Allez. Elle a de nouveau. Ok, donc là normalement on sait qu'il y en a énormément. Merci. Laissez-moi le passer. Fumier. Non. On va éviter ça. Non. C'est une blague là. S'il te plaît. Sentinelle à la con. Merci. Allez. Voilà. Boum. Non, pas des tireurs. C'est pas une bonne idée ça. C'est pas une très très bonne idée. Ce n'est pas... C'est pas une très bonne idée. Honnêtement... Je pense que ça déconseillait. Alors là, on ne fait vraiment pas dans les règles de l'art parce que là, on l'a vu qu'on l'a déjà fait une fois. Honnêtement, on peut la faire de façon un peu n'importe comment. On n'a pas besoin de faire attention à notre vie ni rien quoi. 600 ennemis. Là, par contre, ici, en termes d'ennemis, on peut. En tout cas, on est servi. Ok. Ça va. Ça continue. Le tireur à la con, vous restez tranquille. Alors. Merci. Non, tu restes sage, je t'ai dit. Toi, c'est fait. Ou on continue. Je sais même pas si on est à la moitié ou pas en fait. Honnêtement, je n'en sais rien. On va continuer. Chute d'ordinate. Voilà. Merci. Il en reste 10. Parfait. Ok. Merci. Bon, il en reste 10. Merci. Merci. Alors, par contre, la sentinelle, non. Merci. Non, hors de question. Ok. Merci. C'est bon, là, on les a bientôt tous éliminés ou...
Il y en a encore. Il m'en reste 4, ils me disent. Il m'en reste 3, ils me disent. Il m'en reste 3. Bah, il n'y en a aucun qui apparaît. Il m'en reste 2. Ok. Il m'en reste 2, mais je les vois pas sur la carte. Ah si, je crois que tu vois 2 points rouges. Mais c'est des convoyeurs, non? Je sais pas, on va aller voir. Ah non, c'est des gypsies, donc parfait. Ok. Et donc, toi, tu dégages. Et voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Bon, ben, au moins, ça s'est accompli. On a là notre lyre. Et on va du coup pouvoir s'arrêter là. On va pouvoir s'arrêter là. Ouf. C'est quelle heure pour savoir, parce que je dois après retourner travailler. Hein. 3h22 du matin. Ça va. Ça va, ça va. Aujourd'hui, on est bien l'épisode 401. Hein, en même temps, donc je vais aller voir si, en termes de. Comment ça s'appelle? En termes de. De vidéo, j'en suis. Oui, je suis avec vous, comme ça, au moins vous. Vous assistez en direct au truc en question, 401, donc 401, ok, c'est bon. Alors, oui. Alors, ok, et deux bandes de gypsies ardent. Et évidemment, il y a l'arc de glace qui pop, il pop tout en même temps. On s'en bat les couilles, on le fait, je vous le dis clairement. On profite de ces épisodes, il n'y en a jamais en général, donc autant bien se goinfrer. Et après on s'arrêtera vraiment là parce que là je suis en train de voir le temps. Et sachant que je dois enregistrer les autres épisodes derrière, j'aurai pas le temps et j'ai pas envie que ça soit non plus ultra long non plus. Vraiment, c'est pas le but. C'est vraiment pas le but. Allez go! Please, merci. Allez, ordre. Impa. Non, Impa. Banni, shake, banni. Allez go! Éliminer les monstres géants, apparemment sachant, je crois qu'il y a Garaim qui peut nous trahir ou une connerie comme ça, non? C'est plus histoire, mais... on va aller voir. Allez, le banni! Le banni! Un boss que je trouve déjà trop stylé. Même son apparition, donc... Et le pire, c'est que regardez même le nom du boss. Le banni, y a rien quoi derrière. C'est le banni, c'est tout quoi. C'est tout quoi. Hop. Ok. Merci. Ok, on est en train de le défoncer. Allez, go. Ok, c'est bon là. Honnêtement, il peut mourir. Bah parfait, on l'a une one shot. Ordre Impa. Le banni, shake. Le banni. Alors. Évidemment, il m'a donné une arme, hein, chose que je ne voulais pas. Je crois. Il n'y a pas Garaim qui est censé nous trahir, normalement. Ou en fait, il doit rejoindre le banni, peut-être pour nous trahir, je sais pas. Normalement, il est censé nous trahir, le petit Garaim. Attendez, vous savez quoi? On va laisser s'approcher le point bleu du banni. C'est bien Garaim qui est à côté. Vas-y, trahi. Tiens, je suis confus, il me semble que je me suis trompé d'ennemi. Ah. Allez, il est où le banni? Le Garaim, il est là. S'il te plaît, Garaim, merci. Ok. Ok. C'est bon là? Ok, Garaim est éliminé. Il m'a donné une arme, j'en peux plus. Honnêtement, je vais faire une pétition. Je vais faire une pétition contre les armes dans le jeu. Hop. Je vais faire vraiment une pétition, j'en peux plus là. Tac, tac. Caméra. Ok. Ah bah en fait, là, la caméra, elle a totalement bugué, j'ai rien compris ce qui se passait. Donc là, comment voulez-vous faire dans ces conditions? Là, j'ai vraiment rien pu... faire. Ok.
Allez, c'est bon, tu vas mourir ou pas? C'est bon, normalement le one shot. Parfait. Le banni est éliminé. Bien. Putain, elle m'a donné une arme, non mais j'ai obtenu que des armes. Ah non, regardez tous les armes, sérieusement. Oh, j'en peux plus. Bon, ben ça c'est fait. Ça c'est fait. Excusez-moi, c'est moi qui fais un petit râle intérieurement, j'en peux plus. Fatigué. Voilà, sachant qu'il manque la suite. Oh, je sais pas si je vais la faire aujourd'hui. J'ai appris à faire le truc de pendant une heure. Ah, c'est chaud. Bon, je vais voir, je vais. Je vais. Je crois que ça aurait été un gros épisode farm aujourd'hui. Là, honnêtement, ça aurait été un très gros épisode farm. Alors. Alors. Évidemment, il fallait les embêter. Alors, évidemment, les armes à la con. Toujours des armes, toujours des armes. Une écaille de les alphos, évidemment. Et c'est bon, plus rien, il n'y a plus rien. Non, c'est bon, normalement. J'aurais bien aimé un dernier arc de glace, mais j'ai l'impression que le jeu veut m'enculer jusqu'au bout. Et j'ai rien dit. Comme ça, au moins, on a les 5 et c'est fini. Oui, vraiment, autant abusé, hein, je vous le dis. Comme ça, dites-vous que vaut mieux que je le fasse maintenant. Comme ça, au moins, on aura. Enfin, j'aurai plus à refaire un épisode farm pendant très longtemps. Honnêtement, je pense que. Pendant au moins 15 épisodes, peut-être voir 10-15 épisodes, ça dépend. À mon avis, je serai un petit peu tranquille, quoi. Enfin, j'espère, en tout cas. J'espère. Je dis ça, mais j'espère. Mandala, c'est parti. Go. Mandala dans le palais du crépuscule, ça ne veut rien dire. Honnêtement, elle est beaucoup crédible dans le temple de l'épée sacrée, ou même dans le temple du temps. C'est crédible, mandala, plante tentaculaire vénéneuse, c'est crédible. Mais pas mandala dans le palais du crépuscule. Non, non, c'est clairement pas crédible, je vous le dis. Très bien. T'as de la chance, voilà, parfait, je t'ai eu. Allez, s'il te plaît. Merci. Ok. Ok. Merci, mandala, une, t'es éliminé. On n'a même pas besoin de nos confrères en fait. Matériaux rares, merci, ça c'est au moins ce que je voulais. Allez, 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 allez. Bon, les convoyeurs, honnêtement, est-ce que c'est vraiment utile? Ouais, c'est quoi? Juste vraiment pour la forme. Comme ça, au moins, on a du coup fatal pour nous sauver pour cette mandala. Mandalala, pardon. Mandalala, c'est bizarre de dire ça comme ça. Ici, c'est que des gypes d'eau. Ah, des centres de gypes d'eau, attendez. Enfin, je dis ça, mais. Centres de gypes d'eau, c'est peut-être intéressant, non? Attendez. C'est qui me donne du... J'avais vu un gypse d'eau à la con, là. C'est qui me donne des... Oh, putain. Un gypse d'eau à la con. Il n'y a pas de gypse d'eau. De sang de gypse d'eau. Un gypse d'eau. Ah, non, mais il est pas rouge. Il est pas enflammé. C'est chiant. Putain, c'est chiant. Oh, bon, bah, on n'a pas de chance. C'est pas enflammé. Bon, bah, on va récupérer quand même l'arme, mais bon, c'est pas enflammé. Allez, go. Go 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 go, mandala. Bon, oui, vas-y, vite. Putain, bon, on en a eu deux déjà. Merci. Parfait. Bon, bah, normalement, on devrait y arriver. Ok. Ok. Merci. Ok, bon, normalement, t'es mort. T'es mort, t'es mort, t'es morte. Ok. C'est fait, mandala est éliminé. Et une arme à la con. Et évidemment, il fallait s'y attendre comme d'habitude. J'en peux plus. J'en peux plus, je vais vraiment créer une pétition. Comme ça, il nous met à jour le jeu et c'est fini quoi. J'en peux plus là. Ou je sais pas, donnez-moi les droits pour ce jeu. Comme ça, au moins, c'est bon. Je peux enlever le taux d'armes. Alors, je sais que grâce à des mods, on peut, mais ça serait chiant à faire. Donnez-moi juste les droits et je fais une mise à jour rapide et c'est tout quoi. Oh, j'en peux plus là, honnêtement, des armes, j'en peux plus. Oh là là, c'est abusé. Bon, bah écoutez, c'est fait pour aujourd'hui. C'est fait pour aujourd'hui. Donc, du coup, on est à 50 minutes, les amis. On va quand même devoir s'arrêter là.
parce que là ça commence à faire un peu trop, hein. Une sport toxique de mandala et une bandelette de Jibdo. Donc la prochaine fois on se retrouvera pour de l'Enedi. Donc nous tout simplement notre objectif ça sera tout simplement de réussir à avoir tous les armes. Ça serait vraiment pas trop mal. Donc écoutez, la prochaine fois on se rendra ici, hein, déjà. Comme ça au moins ça nous permettra de débloquer l'accès pour aller ici. Donc on ira ici. Vous avez vu que en exploration requise, donc combat décisif, les héros d'Ocarina of Time, on peut voir que dans les trésors il y a un fragment de cœur avec Tingle et une habille de fée. Et nous avons, à mon avis, en exploration requise, et même c'est sûr, un réceptacle de cœur, c'est toujours ça, avec Tingle. Donc écoutez, on choisira Tingle pour faire cette petite case du mode aventure. Et donc du coup, avant toute chose, on va quand même voir si est-ce que nous avons des badges à appliquer avec ce que nous avons récupéré ou pas. Je n'en sais rien, donc ça serait vraiment pas trop mal d'aller vérifier un petit peu de temps en temps. À votre avis, je n'ai pas l'impression, hein. Non, je n'ai pas l'impression. Merde, je n'ai pas l'impression que nous avons... Ah si, nous avons des choses avec l'Anna. Par exemple, une tunique Zora 2 réduit les dégâts subis quand l'eau est l'élément efficace. Cela requiert un kunai de shake sur 1, une étincelle du pyrodactylus sur 93 et une pièce d'armure de Darkness sur 171 et 3000 rubis. Tunique Zora 2 va être créée. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge de Nick Zora 2 a été créé, c'est bien, ça nous améliore les persos. Ah, on peut continuer avec Ganondorf. De Nick Zora 2 réduit les dégâts subis quand l'eau est l'élément efficace. Cela requiert un bijou de 13 de Zelda sur 1, une acide de Goma sur 65 et une carte de maître Stalfos sur 135 et 3000 rubis. De Nick Zora 2 va être créé, voulez-vous continuer? Oui. Le badge de Nick Zora 2 a été créé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre? Oui, avec Giraim, on peut faire quelque chose d'autre. Bouclier miroir 2 réduit les dégâts subis quand les ténèbres sont l'élément efficace. Cela requiert un talent de fée sur 1, un ornement de casque de Volgas sur 41 et une vision de Moblin sur 129 et 3000 rubis. Bouclier miroir 2 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui. Le bouclier badge bouclier miroir 2 a été créé. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Non. Et avec là, ici, par hasard? Non, on peut rien y faire. Bon, ben écoutez, on aura un petit peu appliqué des badges et passé deux niveaux avec Link. Donc, comme je vous ai dit, on continuera du coup notre carte du mode aventure dans l'épisode prochain. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 401, les amis, de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Demain pour de l'Enedi. Ciao tout le monde. Hey, peace.